Estimant que la formation de métaphysicien accompli, entièrement formé au Bénin, est la solution pour faire face aux souffrances des populations et aux dérèglements sur la Terre, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP du métaphysicien maître Justin Dongbarounde a organisé ce samedi à Cotonou le lancement officiel du programme de formation intitulé « Dépistage du cerveau et remise à jour du cheminement de la pensée humaine ». Ce programme a pour but de redonner à l'homme à travers ses formations les capacités à gouverner le territoire de son potentiel et lui permettre de s'harmoniser avec les dimensions intérieures de son être en vue de rayonner de toute sa force et de toute sa puissance dans ce monde en plein essor vers l'émancipation définitive. Nous voici au lancement officiel des quatre grandes formations prévues pour cette année dans le but de vous fournir des éléments d'adaptation à la situation nouvelle. Ces formations, dont je ramène les thèmes à vos bons souvenirs, ces formations s'enchaînent suivant une chronologie bien structurée sur toute l'année. Pour ce premier trimestre, nous allons nous intéresser au déparasitage du cerveau orienté vers la remise à jour du cheminement de la pensée humaine. Au deuxième trimestre de cette même année, nous allons nous engager dans la formation initiale à la vie. Au troisième trimestre, nous poursuivons avec la formation au métier de parent et nous allons clôturer l'année au quatrième trimestre avec la dernière formation dans le thème « Grandir et s'élever en famille » vise à construire avec vous une équipe familiale harmonieuse, unis et solidaires, centrés sur le respect des besoins de chacun et la communication bienveillante. Venu des 117 départements du Bénin et hors de nos frontières, quelques participants nous livrent leurs impressions. Bon, en tant que participant, je suis tellement content d'être ici parce que cela va me permettre d'avoir des réponses à des questions que je me posais depuis bon moment. Bon, l'impact que cela pourrait avoir sur ma vie, cela va me permettre de comprendre d'abord qu'est-ce qu'est mon cerveau, ce que je porte, quel est son mécanisme, comment cela fonctionne. Et à mon tour aussi, une fois que j'aurai acquis cet enseignement, je pourrai à mon tour aussi en faire en profiter à mes proches. Le maintenant, jamais cessé de parler de cerveau, son rôle et son utilité, je veux dire. C'est grâce au cerveau, j'ai quand même compris que c'est grâce au cerveau qu'il y a eu tant de choses. Même le portable que nous utilisons, il n'y a pas eu des moutons tués sur un fétiche, il n'y a pas eu des prières. C'est le cerveau que les gens ont utilisé pour en arriver là. C'est ce même cerveau que le maître a utilisé pour produire le mouchoir magnétique et tant de choses. Et j'ai voulu prendre part à la formation des parasitages du cerveau parce que déjà sur le plan médical, quand on parle de déparasitage, c'est qu'il y a des parasites qui ont envahi le système digestif et il faut les expulser. Alors, notre cerveau, c'est le moteur qui nous commande. Nos gestes instinctifs, nos gestes réflexes, tout ça, ça vient de notre cerveau. S'il se trouve que le cerveau est envahi par les parasites, il faut vraiment venir à cette formation pour se débarrasser de ces parasites et finalement savoir comment bien utiliser notre cerveau et réussir notre vie. Le vœu du métaphysicien maître Justin Dongbarounde est que ses étudiants de l'ISEP se débarrassent des parasites qui ont pris possession de leur cerveau à titre individuel en ce moment où ils ont tous besoin de connaissances.